Christo, pour mitiger la babocolaïo. Tant que vous pouvez être ôté à Bissot. À travers l'idée à l'élo, c'est Bolanga. La Kisangaï, Pambolangaï, Pamelangaï, Yahweh le Bola Mouana Nayo, Poete Boinga Elongwa, Pole Nayo Engenga Katinangaï. Chaque fois, nous avons dit que kolo tango dit que nous avons dit que tina na kolongola mabe nyonso oye kangani nangai kino wana ya wenza bezo lika kutika ngai te tika te li loba ya tongo na leweza na nguya ya kolongola ngo kati na bomo ina yo kaka li loba moko moko oyo kolo eba kisela ngai ya motuya oyo depuis na ndimela nano na simba te na bike la te kolo zambe na bomo li loba na yo ya tongo na lelo ezali na makoki ya kosala ete na bike la yango na simba yango kolo zambe na bomo sala yango pona lokumo na yo. Utilisez puissamment mon thé pour communiquer un message à Tongo Nalelo. Je vous remercie de vous consulter mon mix de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous mettez la parole, ma bonne matasse. Voilà. Zéro. Voilà, Penza. Zéro, si, 16 ans, vous êtes toujours la chef à quartier, ma bonne. Dans le bien, tombé de la la, yoga, 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 dans le bien, la parole, s'il vous plaît, la parole, donc on mette les babos, on est tombé de la lirobanza, mais babos, comment ainsi, gloire à Jésus, merci, vous le méritez, alléluia, Hosanna, merci, les amis, le Seigneur, le Seigneur. Merci. Voilà que télévision par mon corps. Bien aimé, Alinga Kababenga est frère. Frère Kiala. Et l'ongona interprète Naï. Baya côté Abisso, l'évangile éternel. Kimia ya kolo Yesu Kristo za na moko na moko. Yesu Kristo pambondo. Amen. Ah sale la yo bolamu parce que yena ndako na ye. Yesu nda pesi biso mokona lelo le 17 octobre 2021. C'est le Seigneur Jésus qui nous a donné aujourd'hui le 17 octobre 2021. C'est pourquoi nous rendons la grâce et l'honneur à lui Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a donné le jour d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es ici au nom de Jésus-Christ. Et tous les frères qui nous suivent en ligne partout où ils sont. Que le Seigneur a béni Rubino aussi. Que le Seigneur vous bénisse aussi, bien-aimés. Les frères de l'Autriche nous avaient dit de faire parvenir leurs salutations à vous qui êtes à Ariwara. Et les frères qui sont en Corée du Sud. Lorsque nous sommes là, ils nous suivent aussi par la grâce de Dieu. Je sais que le Seigneur saura les bénir où ils sont et nous aussi là où nous sommes par la même prédication. Que la paix du Seigneur soit le partage de tout un chacun.
Nalingi nakukako réveiller loko moko ya tina. Je voudrais réveiller quelque chose d'important. Zambe afanda kana kati ya louange, alingi louange mingi. Le Seigneur siège dans le louange, il aime vraiment. Et c'est pourquoi biso ba oyo soki tozali koyemba, il faut toyemba toujours d'après sa parole, et ça très bien. Autres, si nous chantons, nous devons toujours chanter selon sa parole. Comme j'ai entendu un frère en train de chanter Emma, Emma, Emma. Oui, frère. Où est ce frère? Frère, où est-il? Emma. Que veut dire Emma, seulement Emma? Parce que c'est comme si je prêchais, je dis au nom de Jésus. Est-ce que vous direz Amen parce que je dis J.C. Au nom de J.C. Que signifie Emma seulement? Emma. Emma. On veut seulement s'instruire de ce que tu viens de chanter. À toute lettre, Balobaka Emmanuel, mais à sigle, tu viens de Emma. Qui disent Emma? La langue est la canaba de série à prononciation à toutes lettres et à sigle. C'est pourquoi, de façon que Moutalingi Kobenga, toutes lettres étaient au Katiangwana sigle Emma. Il ne faut plus le refaire. Parce que Emma est Goloba, Azanabis. Emma veut dire avec nous ou parmi nous seulement. Maintenant, la terminaison là de elle là, c'est ce qui est très important. Il ne faut pas écouter ce leader et puis tu l'amènes ici au milieu de nous. Je le répète plusieurs fois. C'est par exemple, je prêche et je dis YS. Au nom d'YS. YS. 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 C'est très léger. C'est Zapenza Pepele. Fafala Makasi. Très léger. Fafala. Il faut rendre au Seigneur l'honneur qui lui est dû. Il faut savoir que toi tu es un peuple de la parole, tu n'es pas comme les autres. Cette chose je la reprends plusieurs fois. Ce n'est pas que tu vois un chantre chanter un chant et qui bat record sur la terre. Et directement, tu amènes ces chants parmi les saints. Ce n'est pas ainsi, bien-aimé. Ce n'est pas que Dieu reçoit la gloire ou l'honneur parce que les gens chantent beaucoup un chant. Non. Il faut chanter dans l'enseignement. L'écriture est lobby. Sur les bords de fleuve de Babylone, nous étions ainsi et nous plairions. Na pembe ni ya mai ya Babylone, to zalaki wana to fandi pe to zali kolela. Dans psaume 137. Dans psaume 137. Nos vainqueurs. Batoyo balonga kibiso na etuba. Bazalaki ko yebise biso to yemba banzembo Sion. Ils nous demandaient de leur chanter quelques chants de Sion. Il faut que la chose soit comme la Bible. Il faut que ce soit nos chansons qui soient demandées par les gens du dehors. C'était une prophétie que David avait vue. Les choses qui devraient arriver au temps de Daniel et d'Ézéchiel lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone.
Si vous ne veillez pas sur ces choses, bien-aimés, et vous voyez des chantres chanter partout avec des bijoux, des mèches sur le corps, et leur chant, vous les répétez aussi dans l'église, et cela agrée directement cette parure chez les saints qui vous écoutent, parce que vous agréez le produit de ceux-là qui ne se conforment pas à la doctrine. Quand vous êtes devant les gens, vous êtes comme le miroir. Ce que vous allez présenter aux gens, et c'est ce que le peuple va amener. Lorsque les gens vont t'écouter en train de chanter les chants d'une chantre qui sépare des mèches, des bijoux et qui se coupe des cils, il les rase tout entier. Le Seigneur, tu avais commis une erreur de mettre des poils ici. Il fallait les mettre comme ça. Il fallait que ça soit jaune. Et puis en bas aussi violet. Mais ce qui nous en bas, yogi. Maintenant, si le Seigneur écoute ta prière et tu te réveilles le matin et tu vois des cils de violet jaunes, le Seigneur a exaucé ta prière. Le Seigneur te fait apparaître des sourcils des jaunes. Je ne sais pas si les gens vont encore te regarder même en route. Si les gens vont commencer à prier, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ainsi? Remets les sourcils noirs. Vanité de vanité, poursuit devant. Bamba, bamba, Nicolanda, mon bébé. Il faut savoir que plusieurs chantres qui chantent dans le monde, pour eux, c'est comme les affaires. Ils font des affaires. Ils ont besoin d'adorer le Seigneur. Non, ce n'est pas une adoration au Seigneur. Ils ont pris le nom de notre Seigneur comme leur marchandise. S'ils réalisent son clip, c'est pour montrer qu'il sait se vêtir. Pour exhiber ses voitures, ses maisons ou ses biens, c'est ce qu'il a besoin d'exhiber devant les gens dans ses clips. La vie du monde remplit toutes ces choses-là. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Oui, tout moi, mon ami, soit battu à la cambeba, libosso en zambé. Faire très attention. Et Seigneur n'a aucun mingi. Un juif ne suit pas toutes choses qui se passent sur la terre. Il faut alors vraiment mouyuda. Il faut être un vrai juif et c'est très important. Attache-toi à ce qui est conforme à l'enseignement. Parce que l'enseignement de Kusunga yo. Parce que c'est l'enseignement qui va t'aider. On avait montré l'exhortation donnée dans la semaine avant l'enseignement. Qu'un chantre doit avoir le souci de maîtriser l'enseignement. Un chantre doit avoir le souci de chanter l'enseignement. Aussi longtemps matière ésotérique. Aussi longtemps l'enseignement est dispensé. L'enseignement, l'exhortation, la prédication, l'enseignement, les exhortations, les prédications sont dispensées. Et les chants aussi ne s'arrêteront pas parmi les saints. Et les chants abonderont toujours. Cela est très important. David aimait toujours la loi. C'est pourquoi l'enseignement. David chantait toujours la loi qui était l'enseignement de leur temps. C'est ça, psaume 119, verset 54. Et c'est ça, psaume 119, le verset 54.
chanter l'enseignement. Azalaki koyemba lilakisi. To imiter bango, c'est très important. Imitant ces prophètes là, c'est très important. J'insiste, bato zomona, ba yebionyoso bato ba chantres chrétiens, ce sont des païens. J'insiste que tous ceux-là qu'on appelle des chantres chrétiens, bazali ba pagano bato mokili. Un chantre, il faut aller dans l'église d'abord. Un chant. Si tu t'y opposes, il te dit beaucoup de gens vont venir, ils vont me suivre, vous aurez des offrandes. C'est vraiment, ce sont des païens. Eza benza ba pagano bato mokili. Ils ne connaissent pas Dieu. Baebi zambe. S'emporter te na makama na bango parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ne sois pas emporté dans leurs choses parce que baebi zambe te. Oza chantre sala effort oyemba enseignement. Tu es un chantre, fournit un effort de chanter l'enseignement. Parce que Dieu veille sur les chants, ma casse. Pour être zambe à sense la kanabalo yembo na lisanga. Et cela est très important. C'est pourquoi nous avions dit que lorsque la personne vient ici pour la première fois, qu'il voit vraiment les traces de l'église de saints dans le chant et dans l'enseignement. C'est important. Parce que je vous ai posé la question si je disais que JC vous bénisse. Je ne sais pas lesquels de vous qui va nous assister. C'est par la parole de délivrance. Et c'est par la parole que vient la délivrance. Bozoali, nettoie, c'est la parole. Pour que tu sois enlevé, il faut la parole. Quand nous enseignons, tango tozali kote ya. Eza couronne na biso. C'est notre couronne motole. Si nous jouons avec l'enseignement, c'est avec notre couronne que nous jouons. Moteyo azoka légèreté enseignement. Ndengi penza bako mépriser couronne. Un ministre qui a la légèreté dans l'enseignement, Dieu aussi va mépriser sa couronne ou sa récompense. Parce que Paul a lobaki, c'est l'église qui est la couronne du ministre. Parce que Paul avait dit c'est l'église ndezali motole ya motey. Ce qui Bible le dit que tu seras couronné. Si la Bible dit que nous les ministres nous serons couronnés. Ministre après ba couronne facilement soka ta l'église ou la terre. Le ministre saura quelle sera sa couronne ou sa récompense. Si la vie de la sanctification, la sanctification, la crainte de Dieu, le sel de la parole, et là le ministre peut se rassurer de voir le Seigneur. C'est ça la Bible. Jamais vous êtes athée. Il n'y a pas un autre. Paul, alobaki, Paul avait dit j'ai des soucis qui m'animent au sujet des églises. Si j'apprends qu'une église est tombée, c'est moi qui brûle. C'est comme ça qu'on dit dans 2 Corinthiens. C'est comme ça qu'il dit dans 2 Corinthiens. Chute d'une œuvre, c'est la mort d'un ministre. La chute d'une œuvre ou d'une église, c'est la mort pour un ministre ou un serviteur. C'est pourquoi Bissot va s'arranger. C'est pourquoi nous les hommes de Dieu nous devons veiller sur l'enseignement. C'est notre couronne. Et zali motole tolifuti na biso. Loko la Bible permettre yango te pour l'honneur du Seigneur, pour la parole des élevés. Ce que la Bible ne permet pas, nous n'allons pas non plus les permettre afin que la parole soit élevée. Parce que tolingi que la gloire, l'honneur résonne pas Christ. Parce que nous voulons que la gloire et l'honneur reviennent au Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut savoir, bien aimé, toutes choses qu'on a proclamées, c'est comme une semence. Toutes choses que je pourrais proclamer, que ce soit dans l'enseignement ou dans les chants, soit une semence de la parole. Et tout veiller ma casse vraiment que Zambéa sarabisson goloua et que la bisson mawa. Et nous devons beaucoup veiller enfin que le Seigneur nous accorde sa grâce. Afongo la bisson vraiment ma kambonae. Et qu'il nous ouvre vraiment ces choses du royaume. Et à tout temps nous lui demandons la grâce. Il faut que Senga kan Zambéa sunga bisson. Il faut toujours implorer l'assistance du Seigneur. Parce que ceux qui nous ambassent, ils ont passé ma casse. Parce que si le Seigneur ne nous assiste pas, c'est terrible, bien-aimé. Que Dieu bénisse. Amen.
Na tangi écriture na biso, pasteur Seba kolimbole na biso. J'ai lu notre écriture et le pasteur Seba va nous aider avec la traduction. Versets 7 et 8 et Apocalypse 6. Le verset 7 et 8 d'Apocalypse 6. Tozana quatrième saut. Nous sommes déjà au quatrième saut. Quand il ouvrit le quatrième saut, Tango afungola kindanga ya minei. J'entendais la voix du quatrième être vivant qui disait viens. Nayoka kimombongo ya ikela mona bomo ya minei azalai koloba yaka. J'ai regardé. Atalaki. Et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Tala punda moko ya rangi lokola mayi ya pondu abimaki. Celui qui l'a monté se ma. Oyo amataki yango kombo na ezalaki kufa. Et le séjour des morts l'accompagne. Pe mboka na bawa ezalaki kolanda ye. Les pouvoirs leur fit donner sur le cadre de la terre. Bokonzi epesamelaki ye na eteni ya moko na mine na mabele. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité. Mpona koboma bato na mopanga, na nzala, pe na liwa. Et par les bêtes sauvages de la terre. Benanzela na banyama ya zamba na mokili. Que Dieu bénisse cette lecture. Zambia pambola litangi oyo. Et nous allons déjà dans le quatrième saut par la grâce de Dieu. Et nous sommes déjà dans le quatrième saut par la grâce du Seigneur. Nous avons déjà jour à vendredi. Nous l'avions déjà commencé le vendredi passé. Tout à l'heure, c'est d'abord que l'Écriture est ébissibiso. Nous avions montré que l'Écriture nous dit. D'après Ecclésiaste 1, verset 9, 10. D'après Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oyo ezalaka ne oyekoyaka. Et même Ecclésiaste 3, verset 14 et 15. Et même Ecclésiaste 3, le verset 14 à 15. Et le dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. Nandimisami ete nyonso nzambe asali ekoumela kakaka. Qu'il n'y a rien à y ajouter. Ezali neloko mokote yakobakisa. Rien en retranché. Neloko mokote yakolongola kati nango. Dieu fait ainsi afin qu'on le craigne. Nzambe asalaka bongo po bato babanga ye. Ce qui a déjà été. Oyo ezala esi ezalaka. Ce qui sera a déjà été. Pe oye koyaka kozala esi ezala. Dieu ramène ki ce qui est passé. Nzambe azongisaka kaka mayo eleka. Na langage wana ya oyo ce qui a été. Par le langage de ce qui a été. Tozwaki Jean 3. Na verset 12. Nous avions pris Jean chapitre 3, le verset 12. Le Seigneur s'adressait pas à Nicodème. Le Seigneur s'adressait à Nicodème. Mais place où on a considéré Nicodème comme un signe. À cet endroit-là, il avait considéré Nicodème comme un signe et les mots. Atalié lokola Israël mobimba. Le Seigneur l'a vu comme tout le peuple d'Israël. Alobi. Quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas cru. Tango na lobela kabino makambo ya se bino bundimaka te. Wana Jésus azotali sa gueule. Là, Jésus était en train de montrer. Oya kitaki na montagne na Sinaï ezandi. C'est lui qui était descendu sur la montagne de Sinaï. Parce que na Sinaï nde apesaki des choses terrestres. Parce que c'est sur la montagne de Sinaï qu'il avait donné des choses de la terre. Nao ezali comme physique. Ce qui est comme terrestre, physique, yanzoto. Asala ki yango avec Israël. Le Seigneur l'avait fait avec le peuple d'Israël. Israël azala ki un peuple physique de Dieu. Israël azala ki libota yanzoto boyo nzambe asalela. Yango soko tangi Exode 4. C'est pourquoi en lisant Exode chapitre 4, au verset 22e, au verset 22, azobinga Israël, mon fils. Mon premier-né. Le Seigneur appelle Israël mwana na ngai ya mobali, mwana na ngai ya liboso. Azuye lokola mwana na ye na nzela ya Abraham. Le Seigneur a pris Israël comme son fils par le moyen d'Abraham ou le canal d'Abraham. Totalisa ki na makomami ya Nzambe. Nous avions montré par les écritures de Dieu. Libota oyo ya azwaki. Le peuple que le Seigneur s'était choisi. Apesaki yango lolengeni nesengeli etambola. Le Seigneur l'avait donné la façon de se conduire. Apesaki la loi. Le Seigneur l'avait donné la loi. Lolenge moko tanga salaki Adam. De la même manière lorsqu'il avait formé l'homme Adam. Apesaki la loi lolenge akotambola na jardin d'Eden. Le Seigneur l'avait donné
donné la loi comment Adam doit marcher dans les jardins. Lorsqu'il a pris Israël, on avait donné aussi l'écriture des psaumes 147. Les versets 19 et 20. Le verset 19 à 20. Là, on nous montre comment le Seigneur a pris sa parole et l'a donnée à Israël. Mais à Sala, il y a un verset 15. Azotali Sasuki Israël a boit qui est la parole. Le Seigneur montre si Israël rejette ou méprise la parole. Atalisiba malédiction ou ekokomelaye. Le Seigneur montre des malédictions qui arriveront sur lui. Dozwa qui parmi les malédictions. Et parmi les malédictions, nous avions pris. Kolanisama enseignement ou tozana. Selon l'enseignement que nous avons. Totanga qui verset 49e. Nous avions lu le verset 49. Le Seigneur a dit que ceux qui vont rejeter la parole. Le Seigneur avait dit si vous rejetez la parole. Dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28. La coutine d'une nation. J'enverrai une nation. Et qu'il y a un vol d'aigle. Qui viendra d'un vol d'aigle. Pour y a pour dominer. Pour venir te dominer, toi Israël. Lorsqu'on parle d'un vol d'aigle, c'est-à-dire cette nation viendra en toute rapidité sans résistance. Parce que le vol d'aigle est un vol rapide. Parce que le vol d'aigle est allé kopumbo à lumbango. Et nous avions aussi. Et nous avions pris aussi. Lévitique 20, 26. Lévitique chapitre 26. À partir du verset 14. À partir du verset 14. Là, dans mon acquis. Là, nous avions vu. Le Seigneur a dit que mais ceux qui Israël vont désobéir aussi à la parole. Le Seigneur a dit si Israël tu désobéis à la parole. Et que vous rejetez mes commandements. Et que tu rejettes mes commandements. Regarde les malédictions qui arriveront sur toi. Maintenant, tu utilises qui malédiction et tu as besoin de notre enseignement. Maintenant, on avait utilisé les malédictions que nous avions besoin par rapport à notre enseignement. Autant que par rapport à verset 21 et verset 23. Nous avions lu par le verset 21. Jusqu'au verset 23. Et là, nous avions vu. Le Seigneur a l'obagi qu'à côté de la Israël, les bêtes des champs. Le Seigneur avait dit à côté de la Israël, les banyama, yakanza, yazaba. Qui viendront le dévorer. Ce que j'ai encore verset 38e, il y a Deutéronome 28. Si vous prenez encore le verset 38 de Deutéronome 28, à sa dimension. Le Seigneur a fait mention là. Il y a Boutine aussi par insectes. D'envoyer des insectes. Deutéronome 28, le verset 38. Hein? Deutéronome 28, le verset 38. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Yo komema na elangana yo ba milone bele. Et tu feras une faible récolte. Pe yo kubuka moke. Car les sauterelles la dévoreront. Pwete ba mabanki ba kuya kulia ya. Agotinda aussi ba sauterelles. Le Seigneur enverra aussi des sauterelles. Contre Israël. Venir contre Israël. Mais dans verset 21, il y a Lévitique 26, 9, 23. Mais au verset 21. Il y a Lévitique 26. De Lévitique 26. Le monde qui peut être dans 23. Si vous ne me résistez et ne voulez point m'écouter. Ce qui bino bozotele melangai bolingite koyokanga. Je vous frapperai cette fois plus selon vos péchés. Nakobeta bino mbala sambo koleka kolandi samasumu na bino. Nakomi na verset 22e, il y a Lévitique 26. Il y a Lévitique 26. J'enverrai contre vous les animaux des champs. Nakotinda banyama ya zamba ya kanza bayela bino. Qui vous priveront de vos enfants. Oyo bakolia bana na bino. Qui détruiront vos bétails. Oyo bakobebisa bibwele na bino. Et qui vous réduiront à un petit nombre. Pe bakotika bino na motango moke. Et vos chemins seront déserts. Pe banzela na bino ekozalokola lisobe bato bakoleka. Voilà, tout en verset 22e de Lévitique 26. Là, nous avions lu le verset 22 de Lévitique 26. Donc, dans où Israël a désobéi à la parole. Lorsqu'Israël désobéit à la parole. A boyoka. Il refuse d'écouter. Le Seigneur a continué d'ailleurs les animaux des champs. Le Seigneur enverra contre Israël les animaux des champs. Dans le verset 38e, tout à l'heure qui a Deutéronome 28. Au verset 38 de Deutéronome 28, nous avons vu. A continué d'abassoter.
sauterelles. Le Seigneur enverra des sauterelles. Maintenant, il fallait que nous puissions voir l'accomplissement de ces choses dans l'évolution du temps. Nous prenons par exemple les témoignages du temps des juges en Israël. Dans le livre des juges, chapitre 6, tango Israël a désobéi aussi. Lorsque Israël avait aussi désobéi, Natangi yango à partir du verset 3. Je lis à partir du verset 3. Tiens au verset 5. Jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Israël avait semé, Tango Israël et Alonaki, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Matian Azalaki Koyana Itumba Nabana Yamalek Pebana. Et il marchait contre lui. Peba Zalaki Koyako Bundisaye. Au moins verset 3. Vous voyez ce verset 3. On dit lorsque Israël avait semé. Na Deutéronome 28, verset 38 et lobi. Dans Deutéronome 28, le verset 38, on dit. Parce qu'elle n'a pas vraiment comprendre la parole. Parce que j'aime vraiment que tu saisisses la parole. Deutéronome 28, verset 38. Deutéronome 28, le verset 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout en qui n'a pas bon Jésus-Christ. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Et tu feras une faible récolte. Pourquoi? Car les sauterelles la dévoreront. Maintenant, on est dans le verset 38, on va sauterer. Maintenant, vous voyez le verset, les sauterelles du verset 38. Il y a Deutéronome 28. Et Deutéronome 28. Ce qui est Israël à l'ONU. Si Israël sait. Il y a verset 3e, il y a Juge 6. Et ces sauterelles-là sont au verset 3 de Juge, chapitre 6. Quand Israël avait semé. Tango Israël Azalaki Kolona. Madian monté. Madian Zalaki Koya. Avec Amalek. Na Amalek. Et le fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays. Jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre. Bazalaki koti katelo kwa kolia te ni brebi ba patete ni be atabangombe mizan atabampunda car il montait avec leur troupeau wete bazalaki komata na bibwele na bango et leur tente pe ba ema na bango ils arrivaient comme une multitude de sauterelles bazalaki koya lokola ba mabanki ebele penza ils étaient innombrables bazalaki ebele koleka et leur chameau. Et ils venaient dans les pays pour les ravager. Au moins, il y a Deutéronome 28, verset 38, est expliqué. Vous voyez comment est-ce que est expliqué Deutéronome 28, le verset 38. On dit lorsque tu sèmeras, j'enverrai des sauterelles. Mais nous voyons ici dans Jésus. Israël avait sèmé. Israël a l'onaki. Et qui sont ces sauterelles? Peuple Madian. Les Madianites. Amalek. Les Amalécites. Nous nous entendons bien. En parlant, pour comprendre. Et par là, nous comprenons. Le Seigneur, dans la vision, est en train de attaquer. Semence à Israël. Que le Seigneur, quand il parlait des sauterelles qui attaqueront les semences des enfants d'Israël, ce qui Israël a tout cité, si Israël n'obéit pas, bah, sauterelles exactement la nation. Ces sauterelles-là sont vraiment les nations. Donc, pays, dans tout un pays. Papaya, à part Israël. Donc les nations étrangères, à part le peuple d'Israël. Les seigneurs les voient comme des sauterelles qui vont dévorer le champ ou les productions du champ. Et tout en là, qui dans le verset 22e, il y a Deutéronome toujours, il y a Lévitique 26. Et nous avions lu le verset 22 de Lévitique 26. Alobaki, le Seigneur avait dit, ce qui bozoyo kate, na verset 21, si vous ne m'écoutez pas, na go frappe bino cette fois. Je vous frapperai sept fois de plus. Frappe wana cette fois, ligo loba na goti de la bino ba bête de champ. De cette frappe là de sept fois plus, c'est-à-dire je vous enverrai le bête de champ. Ne tozwaki
l'écriture, il y a Daniel 7. Alors nous avions pris l'écriture de Daniel chapitre 7. Dans Daniel 7. Dans Daniel chapitre 7. Tomoni Daniel aloti ndoto. Nous avions vu Daniel avoir un songe. Amoni ba bête des champs. Il a vu les bêtes sauvages des champs. Amoni lion. Il a vu le lion. Amoni ours. Il a vu l'ours. Amoni léopard. Il a vu les léopards. Amoni quatrième bête. Il a vu une quatrième bête. Azo comprendre ngote na mabele. Daniel ne pouvait décrire cette bête sur la terre. Alobi na katia bête wana en tout cas na moni azana ticorne. Et Daniel a vu dans cette bête 10 cornes. Alors la bête oye a expliqué qui t'est comme quatrième bête. Et la bête que Daniel n'avait pas expliqué comme la quatrième bête. Tozomo nango na Apocalypse 13. Nous la voyons dans Apocalypse chapitre 13. Na verset premier. Au verset premier. Na deuxième. Et deuxième. Tozo remarqué. Nous remarquons. Une bête qui monte de la mer. Nyama moko ko mata uta mayambu. Et cette bête. Peñamawana. Ezana dikorn. Jean Lobion. À 10 cornes comme Jean nous les dit. Cela veut dire Jean a expliqué verset 7, il y a Daniel 7. C'est-à-dire que Jean a expliqué le verset 7 de Daniel 7. Nazoli, on va comprendre très bien l'enseignement. Je veux que nous saisissions très bien l'enseignement. Maintenant, le Seigneur n'a l'obéla qui Israël, qui se boit qui parole. Maintenant, le Seigneur avait dit à Israël, si tu rejettes la parole, na kotin de la yoba bête des champs. Je t'enverrai le bête des champs, Banyamakati. Oba bête des champs, wana, ce sont des puissantes nations. Pe Banyamawana ya zamba te ya kanzande bikolo mbuya ya mabele. Yango totali saki boye. C'est pourquoi nous avions montré comme ça. Quatrième bête. Nyama ya mine. Oyoyo, Daniel a pouvaki ko comprendre en gote. Que Daniel ne pouvait décrire dans sa vision. Yango ndezalaki quatrième royaume. Et c'était cet animal-là qui était comme le quatrième royaume. À partir, il y a temps, il y a roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. En comptant par rapport au temps de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parce que Oyo Daniel a monaki comme lion. Parce que le roi que Daniel avait vu comme lion. Dans Daniel 7. Dans Daniel chapitre 7. Ezagotaisa Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ce premier animal-là représentait Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Après règne à Babylone. Après le règne de Babylone. Médo-Perse était dominant la terre. C'est l'empire Médo-Perse qui a dominé la terre. Après Médo-Perse. Après l'empire Médo-Perse était ours. Na Daniel 7. Et c'est l'empire Médo-Perse qui est comme l'ours de Daniel chapitre 7. Sokomoni bazolo ba kenyamona zolia. Si vous voyez ou vous lisez où on dit que cet animal dévorait, mangeait. Kolia etalisaka kolonga. Donc dévorer veut dire vaincre. Donc tango azo bunda. Donc lorsque ce royaume combat, azolia. Cela veut dire qu'il mange. Cela veut dire azolonga. Cela veut dire qu'il domine, il vainc les nations. Manger talisaka aussi vaincre. Manger dans la Bible représente vaincre. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Abotamaki na famille moko oyo misunyezanga gate. Il était né dans une famille où les bas. Parce que ba sacrificateur bazakozanga misunité aussi longtemps ba peuple bazaboyana ba action de grâce na ba offrande na ba nim. Les sacrificateurs ne manquaient pas de viande dans leur maison aussi longtemps que le peuple apportait des sacrifices d'action de grâce et tout consort. Mais donc l'arbre qui est là dans les déserts doit se réjouir. Parce que la sauterelle vient tourmenter ou dévorer l'arbre. Mais l'arbre a reçu une bonne nouvelle qu'une personne vient et il est mangeur de sauterelle. Ce mouvement-là des gens représentaient. Si Israël avait cru à Jean ou reçu son message, ils allaient aussi recevoir Jésus-Christ. Et ils allaient vaincre les sauterelles de ces temps-là, Rome. Qui était l'empire romain. Yangomoni, Jean Zakolia,
sauterelles. C'est pourquoi Jean-Baptiste mangeait les sauterelles. Parce que manger veut dire vaincre. Mais les sauterelles, les miels sauvages. Mais après avoir mangé les sauterelles, il mangeait aussi les miels sauvages. Si tu te rends à la guerre, olongi, tu manges. Qu'est-ce qu'on mange après la victoire? Bitin de guerre. Biloko ya etumba o bazui na sima kolonga. Yango moni Israël tanga zoya na territoire nzamba pesegye promesse. C'est pourquoi lorsque Israël venait dans la territoire, dans les territoires de la promesse, il fallait avoir beaucoup de miel. Il fallait qu'il puisse trouver le miel. Na lait. Et le lait dans Cana. Cela veut dire que si miel na lait. Cela veut dire que s'il reçoit le miel et le lait. Cela veut dire na Cana wana zaki na babeille. C'est-à-dire que la terre de Cana était occupée par les abeilles. C'est que là qui convaincre babeille après aux huit miel. Cela veut dire qu'il fallait d'abord vaincre les abeilles et après s'emparer de leur miel. Comment on appelle ba bangombe ba vache pour occuper ce lait. Et tu verras aussi les vaches qui te produiront du lait. Donc c'est ce que Dieu voulait dire. Ezali oyo zamba linga ki koloba. Et Josué a convaincre ba nation. Yehoshua kolonga bikolo. Abondance na bangonde ya monde miel. Et tout leur bien, leur et le lait. Et tout leur bien, leur maison, leur champ, c'est ça le lait et le miel. C'est ce que le Seigneur a rebâti. Et c'est ce que le Seigneur avait dit. Le lingue moko Israël a compris na qui Jean-Baptiste était. Et de la même manière, Israël aussi n'avait pas compris le mouvement. La Bible, c'est un livre de symboles. Biblia ezali buku ya bilembo. Si vous comprendre les symboles dans la Bible, si tu ne comprends pas les symboles dans la Bible, et si vous comprendre texte, c'est fini pour toi, tu ne comprendras pas non plus. Il faut sembler la Nzambe pese une ouverture d'intelligence. Il faut toujours prier à Dieu de te donner l'ouverture de l'intelligence. Et loko wana ouverture de l'intelligence. C'est plus que le don d'avion qui vient de la part de Dieu. C'est plus que ça. À la place de demander l'avion à Dieu, demande plutôt l'ouverture de l'intelligence. Seigneur, ouvre-moi l'intelligence afin que je comprenne ta parole. Et c'est ce qui est la chose la plus importante. Et c'est ce qu'on ne peut pas te ravir si tu l'as. Tout ce qui reste, on peut te l'arracher. Même si tu as un téléphone de 5 000 $, ou de 100 $, si tu meurs, même un enfant de 2 ans peut venir dans ta main et t'arrache ton téléphone de 5 000 $. Mais et tu ne pourras pas bouger parce que tu es mort. Il peut entrer dans la chambre avec son père. Ouvrez leur valise. Les oncles maternels et paternels, comme ils entrent dans nos maisons après la mort du père, où est la veste du père que je l'avais vu porter dans la fête? On peut te ravir même les certificats d'enregistrement. Mais Jésus avait dit, Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Marie a choisi la bonne part. Maintenant, écoute la parole du Seigneur. Qui ne lui sera point ôté. Donc, on peut te ravir les autres choses. Suis attentivement. Tu peux acheter toute une avenue et puis tu les donnes ton nom. Parfois, après des années, d'autres disent non. Tout change. Changeons de nom. Tu ne diras rien, tu es déjà là-bas dans le tombeau. Mais il faut avoir la chose qu'on ne peut te ravir. La richesse de la parole. Jalousement. Il faut la garder très jalousement. La kango vraiment na motuya makas. Il faut vraiment la garder jalousement. Yango ndezali nyonso na yo. C'est ce qui est tout pour toi.
Et vie éternelle, les années nakata, parole véritable. Et la vie éternelle, c'est dans la véritable parole. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Israël, c'est-à-dire Israël bien-aimé, a compris que le mouvement est janté. N'avait pas compris le mouvement de Jean-Baptiste. Pourquoi Jean mangeait des sauterelles? C'est pourquoi j'ai pris pour montrer pourquoi Yohana Zalaki Kolia Mabang. Sauterelles, Yohana Zalaki Rome, Natawa. Et ces sauterelles-là représentaient les Romains en ces temps-là. Kolia Zalaki Kovaincre. Manger voulait représenter la victoire. Donc si Israël a obéi. Donc si Israël obéit, à convaincre, à aller dominer. Il va vaincre celui qui les domine en ces temps. Parce qu'un prophète. Parce qu'un prophète. Azalaka Elembo. Il est le signe. À cause la Elembo Zambé. Il peut être le signe de Dieu. Action sur la terre. Dans un mouvement qu'il accomplit sur la terre. À cause la Elembo ya peuple. Il peut être le signe du peuple. Action sur la terre. Dans un mouvement qu'il accomplit sur la terre. À cause de la même élément de la nation. Il peut être aussi les signes des nations de la terre. Au monument prophète à ce temps là. Vous voyez vraiment un prophète en train de marcher. Mais à ce temps là, Égypte. Mais il est là seul, mais il représente l'Égypte, une nation de la terre. Il est lui-même en train de marcher en Israël. Vous les regardez. Mais il est un signe qui représente l'Éthiopie, une nation de la terre. Nous prenons par exemple Ésaïe chapitre 20. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Verset 3. Jusqu'au verset 3. Même 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, voula oyo Tartan atindamaki na Sargon mokondi asu, vint assiéger Astod et s'en empara. Oya yaki kozinga Astod pe kobotola yango. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Isaïe. Natango wana Yahweh atalisaki malobane pa Isaïe. Fils d'Amon. Wazaki mwana ya mort. Et lui dit. Bien il sa qui est. Va. Kende. Détache les sacs de terrain. Pe longola oezali sac na loketo na yo. Et ôte tes souliers de tes pieds. Pe longola basapato na makolo na yo. Il le fit ainsi marchant nu. Pe et de José. Bongo atambola ki bolumbu pe makolongulu. Donc baboni ma papa ya bana. On a vu vraiment un père de famille. C'est le Seigneur qui lui a dit. Bima nanda kunayo. Zala na bilambate. Et sort de ta maison nu. Il ne s'était pas opposé pour dire à Dieu, je suis un père de famille. Vraiment, ces prophètes étaient des esclaves de l'Éternel. Le prophète est esclave. Les seigneurs faisaient avec eux tout ce qu'ils voulaient. On voit vraiment un père de famille en train de marcher nu et déchaussé dans le pays. Lorsque un Israélite le voit, il dit, c'est quel message ces prophètes? C'est comme ça qu'étaient les Israélites. Et l'Éternel lui dit, dans verset 3, et même que mon serviteur Esaïe marche ni et de José, ce qui sera dans 3 ans, ainsi, un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Et l'Éthiopie. Pays mobimane d'Égypte. Donc tout le pays comme l'Égypte. Comme pays mobimane d'Éthiopie. Ou comme l'Éthiopie. Et comment qu'il n'est dit Esaïe, un homme comme ça, il marche. Était devenu comme Esaïe, un homme marchant dans les rues. C'est comme ça la Bible les a. Et c'est comme ça qu'est la Bible. Tu peux voir un homme dans la Bible. Mais tout un peuple. Mais qui représente tout un peuple. Amen. Ici, le Seigneur voulait parler du dépouillement de l'Égypte. Et comment il dépouillera l'Éthiopie? Mais le Seigneur l'a amené dans le corps d'Esaïe à botolier Bilamba Nyonsoanzoto. Pour montrer comment est-ce qu'il va châtier l'Égypte. Jésus-Christ c'est pourquoi lorsque nous prêchons que Jésus-Christ est mort nu à la croix. Il faut aller dans l'ombre. Il faut que tu aies cette ombre là dans les Écritures. Prophète qu'un prophète aussi a marché nu dans les rues du pays.
Kolanda tendenge bata katolike batiaka Jésus na film na Lingwanda. Les catholiques, comment est-ce qu'ils montrent Jésus crucifié avec les Lingwanda? Mon Jésus était mort avec les Lingwanda. Jésus ne connaît pas cette chanson-là. Jésus n'était pas mort avec le caleçon. Non. Pour Esaïe a marché nu. Parce que Esaïe a marché nu. Ce qui a été. Pour Esalaka. Ce qui sera. Néo et Kosalaka. Dieu ramène que ce qui est passé. C'est comme ça que Dieu trace sa Bible. C'est comme ça que Dieu trace sa Bible. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que nous que prophète Azalaka est limbo. Nous montrons que le prophète est un signe. Et Zambapé ça n'a pas prophète message. Et le Seigneur adresse un message au prophète. Il y a un moment où ce message n'est pas à Daniel. C'est pourquoi tu vas remarquer lorsque le Seigneur donne un message à Daniel. Amoni quatre animaux. Anna. Daniel voit ces quatre grands animaux. Et Matili Kolomai. Qui montent de la mer. Ndimbola ya mai place wana fozo angona Apocalypse 17 verset 15. L'explication de la mère de Daniel 7, tu dois la voir dans Apocalypse 17 le verset 15. Mai etalisaka aussi ba bikolo nyonso. Les eaux ou la mer représentent les nations de la terre ou le monde. Donc monde mobimba. Donc le monde entier. Mais tango batalisa na Daniel 7 banyama mine tombo milikolo mai. Lorsqu'on montre dans Daniel 7 les quatre animaux sortir de la mer, et cela montre c'est-à-dire les nations qui vont dominer la terre, au-dessus des eaux, qui seront au-dessus des eaux. D'après l'écriture de Daniel 7, c'est pourquoi d'après l'écriture de Daniel 7, va présenter comme quatre rois ou bien quatre royaumes. On les a présentés comme les quatre rois ou les quatre royaumes de la terre. Maintenant, et les mots là animaux. Maintenant, ce signe-là des animaux. Zamba lobela ki yango akotinde la Israël tant azobwaka parole. Le Seigneur dans la loi avait dit qu'il enverra ces animaux contre Israël lorsqu'il rejette la parole. Tozoa ki verset nango Lévitique 26 verset 22. Nous avions pris Lévitique 26 le verset 22. Et alobaki aussi ceux qui va désobéir akotinde la bango insectes ba sauterelles. Et le Seigneur avait dit si Israël désobéit, il leur enverra aussi des sauterelles. Tozoa ki Deutéronome 28 verset 30. On avait pris aussi Deutéronome 28, le verset 38. Maintenant, Toloba qui boye. Maintenant, on avait dit ceci. Israël. Israël. Zamba compare à un arbre. Le Seigneur compare aussi ce peuple-là à un arbre. Détopesa qui psaume 80, le verset 9. Et on avait donné l'écriture de psaume 80, le verset 9. On a baso benga le Seigneur azwa ki arbre moko na Égypte la vie. Là-bas on nous montre que le Seigneur avait arraché un arbre de l'Égypte. Béaye a chassé ba nation. Et il est venu chasser les nations. Aloni arbre na et yoan. Le Seigneur a planté son arbre. Donc tant que ça là tout un peuple Israël. Donc, lorsque tu vois tout le peuple d'Israël. Dans psaume 80 verset 9. Dans psaume 80 le verset 9. Ba bengiango nzete ya vigne. Le Seigneur l'appelle comme l'arbre qui est la vigne. Maintenant, l'écriture a toujours des témoins. Si tu lis la vigne quelque part, dans psaume 80, verset 9, dans psaume 80, le verset 9, il faut chercher ce que signifie cette vigne de psaume. Dans Esaïe 5. Lorsque nous avions pris Esaïe chapitre 5, on a vu là-bas les chants de la vigne de l'Éternel. Totalina verset 7e ya Esaïe 5. On a vu le verset 7 d'Esaïe chapitre 5. Balobi la vigne de l'Éternel, c'est le peuple d'Israël. Vigne ya Yahweh zali libota isalele. Maintenant, le peuple d'Israël est sa vigne. Maintenant, le peuple d'Israël est une vigne. Naturellement, zete. Na bukeli boye nzete. Oyelia kanzete zagande ba soterel. Donc ceux qui dévorent l'arbre, ce sont les soterelles. Misu cela ila kambuma. Donc les autres insectes dévorent le fruit. Musu soelia kabafe. Les autres insectes dévorent le feuille. Musu elia kabécorce. Et les autres arbres et les autres insectes dévorent l'écorce pour soya. Voilà d'abord naturellement. Maintenant, le Seigneur a comparé Israël comme une vigne.
Maintenant, le Seigneur compare Israël à une vigne. Dans Ésaïe 5, dans Ésaïe chapitre 5, a confirmé. Le Seigneur a confirmé que abongisaki mabele qui toko pona Israël. Le Seigneur avait préparé un bon coteau, une bonne terre pour Israël. Et alors qui Israël. Et il a planté Israël. Et puis après ça, Israël des choses. Et puis il a pourvu à Israël de deux choses. La tour. Oezali tour. Et aussi la cuve. Oezali cuve ya mai kosoko. Donc la tour, tu peux comprendre dans mon Habakkuk 2. La tour, nous allons la comprendre dans Habakkuk chapitre 2. Ezali place ya sentinelle. C'est le poste de la sentinelle. Or le Seigneur appelle le prophète comme la sentinelle. Or le Seigneur appelle le prophète comme les sentinelles. Donc par ces deux choses tourne à cuve. La tour et la cuve. Ils ont dit ensemble à Pesach Israël les sacerdoces. Donc cuve où il bâtit la maille pour la sokola. Cela représente la cuve comme les sacerdoces que Dieu avait donné à Israël pour la purification. Et tour comme la prophétie. Et la tour comme la prophétie. Il a quoi appelé ça qui Israël? Ces choses-là qu'il avait remises. Et ça qui pour Israël à Bonga. C'était pour que Israël devienne meilleur, produise de bons fruits. Mais Bible le dit dans Ésaïe 5. Mais la Bible dit dans Ésaïe 5. Israël a produit qui bons fruits. Israël produit de bons fruits. Ce qu'a produit bon fruit, cela veut dire Atosa qui t'aime. S'il n'a pas produit de bons fruits, cela veut dire Israël n'avait pas obéi. Déjà l'écriture Toloba qui n'est bandeli. Déjà l'écriture qu'on avait donnée au début. Il y a Deutéronome 28. Et Deutéronome 28. Au banana verset 15. Hein? À partir du verset 15. Oui, Israël a désobéi. Si Israël n'obéit pas. À partir du verset 15. Hein? À partir du verset 15. À l'obéir. En Juges chapitre 6. Au moment où on a versé 3e, la 4e, ce sont des puissantes nations. On les a vus au verset 3 et 4 comme les puissantes nations qui venaient les combattre. On comprend le sens à sauterelle. Et on a compris l'essence de ces sauterelles. Au moment où on a versé 22e, il y a Lévitique 26. On a vu au verset 22 de Lévitique 26. À côté de la bête des champs. Le Seigneur enverra des bêtes des champs. Au moment où la bête des champs dans Daniel 7. Et on a vu des bêtes des champs dans Daniel 7. Maintenant, dans Ésaïe 5. Maintenant dans Ésaïe 5, Zamba le biboui. Le Seigneur a dit ceci. Na verset 5e. Au verset 5. Place toko tambolande yango. C'est là que nous allons marcher. Ba rappel to lobaga mingi parce que tozanga kabato ebele na semaine. Tous ces rappels c'est parce que nous manquons beaucoup de gens qui nous assistent durant la semaine. Toza ba umbo na bino à cause de Christ. Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Il faut tout ça par tous les moyens to ko yebisa bino makambo na lolenge ke boso sora yango. Il faut que nous fassions par tous les moyens de vous dire les choses de manière à ce que vous puissiez le comprendre. Au moins le verset 5 maintenant à Ésaïe 5. Vous voyez le verset 5 d'Ésaïe 5. Le fait qu'Israël a désobéi. Le fait qu'Israël a désobéi. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie. Pour qu'elle soit broutée. Or, donc ceux qui broutent l'arbre sont des sauterelles. Donc ce qu'on a les protection. Donc si le Seigneur enlève la clôture ou la haie, le Seigneur va exposer cette vigne-là à ce qu'elle soit broutée. Pourquoi nous marchons ainsi? Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements que beaucoup de doctrines ont enseigné. Et vous allez voir d'autres frères parmi nous aussi l'ont prise. Vous allez voir d'autres prédicateurs qui sont dans les églises de saints. Mais ils ont la brochure à Branham sans intelligence. Mais qui lisent des brochures des Branham sans intelligence. Et à côté, à mon église des saints. Et qui viennent aussi les prêcher devant les saints. À Zopé, ça m'a dit évangile éternel. Et qui l'appellent évangile éternel. Je ne parle pas des raconteurs, ce sont des choses que j'ai vécues, j'ai croisé. Un ministre qui nous parle de l'évangile éternel. Qui prêche. Brochure. Bah, ça moquait que y a Branham. Oui, des fables. Dans des fables. Mathéa, sans position. Donc,
Mate Zanga Lulenge. Parce que Branham a joué Joël chapitre 1er. Parce que Branham a pris l'écriture de Joël chapitre 1er. Joël chapitre 1er, na kata 7 soate yango. Joël chapitre 1er, Branham l'a prêché dans les 7 eaux. C'est quand laissé le Jelek. Oui, Jelek a tika qui. Les asiles l'ont dévoré. Asile à Liek. Maintenant, il y a mis sens encore déjà. Maintenant, toi, tu connais déjà les sens. Dans Tanguy Joël 1. J'ai lu Joël chapitre 1. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. J'ai lu jusqu'au verset 4. À Tanguy Kino na Zela Amine. Joël 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Bethuel. Liloba ya Yahweh talisami na Joël, mwana ya Bethuel. Écoutez ceci, vieillard. Oyoka oyo bampaka. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Popesa matoi binonyoso bafandia mboka. Rien de pareil est-il arrivé à votre temps? Eloko ya boye ekoma na tango na bino? Ou du temps de vos pères? Tona tango batata na bino. Racontez-les à vos enfants. Je suis arrivé au verset 3 de Joël chapitre 1er. Et que vos enfants les rencontrent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent raconter? Ce qu'a laissé les Gaza. Oyo Gaza matiki tangwaliaki. La sauterelle l'a dévoré. Sauterelle a lié yango. C'est qu'a laissé la sauterelle. Oyo libanki atiki. Le Jelek l'a dévoré. Jelek a lié yango. Et c'est qu'a laissé le Jelek. Oyo Jelek atiki na simakolia. Le Azil l'a dévoré. Et Azil a lié yango. Oyo nyon suezali ma sauterelle. Donc tous ceux-ci sont des sauterelles. Moko na moko azalaka na esika oye aliaka arbre bolanda liteya. Et chacune de ces insectes a la partie de l'arbre qu'elle mange. Mususu aliaka ba feuille. L'une mange. Entanda yako bimisa mpe. Bolandawa on se distraite. Chaque insecte aliaka une partie de l'arbre. Chaque insecte mange une partie de l'arbre. Pourquoi ces insectes aliaka? Pourquoi ces insectes sont dans cette écriture? Mais bolanda awawa. Suivez ici, bien-aimé. On se distraire de taladengi bazo yibo matea. Nyo soyoka ki ozangia. Maintenant tu rates tout ce que na moi eloko muke obaluseka. C'est pas comment est-ce que le diable vient enlever l'enseignement. Tu vas voir, tu sors et puis tu ne vois rien. Et puis tu dis, j'étais allé à l'église. Lorsque les fils de Dieu se réunissent, Jésus avait toute puissance. Jésus était tout puissant. Judas Iscariot. Mais il y avait Judas Iscariot à côté de lui. La présence de Dieu, l'absence de Satan. Je ne sais pas si c'est quel verset. Celui qui a ce verset peut me le donner à toi. Et moi, je veux m'humilier en me repentant. Présence de Dieu, l'absence de Satan. C'est Manzambé Zali, Kozalate à Diabolo. On a vu Dieu dans le livre de Job. Satan est venu. Et Satan aussi est venu dans cette réunion. Et le Seigneur même lui Satan, où tu as? Satan, d'où viens-tu? Ils étaient vraiment en train de s'entretenir. Satan, Satan dit, je viens. Cela veut dire que là, hein? Dieu n'y était pas. Hein? Donc, c'était Dieu. Qui interrogeait à Satan? Il lui a dit, tu as vu Job, mon serviteur Job. Ah, c'est seulement parce que tu lui as béni, tu l'as béni. Tendre quand main est touchée. Et tend seulement sa main et touche à cette place. On a présence de Dieu à terre. À cet endroit-là, il n'y avait pas la présence de Dieu. Quand les enfants de Dieu se réunissent, les gens du monde ténèbres aussi viennent pour distraire. Batomo kila milili pe ba yaka ko bungisa batomo kanisi.
Yozala très prudent. Et toi, sois très prudent. Enfin que loko yo yozo ya mutuya. Enfin que ce que tu reçois de précieux. Ozoa yango pe okende na yango l'enseignement. Que tu puisses vraiment le recevoir et t'en aller. Awa wa tanto tala Joël. Ici, lorsque nous remarquons dans Joël. Joël a témoigné. Ba sauterelles zo ya kolia. Joël témoigne les sauterelles qui viennent dévorer. Likambo Joël a zozoa. C'est que Joël prend ici. Yango yozamba lobaki na Isaïe 5 verset 5. Et c'est ce que le Seigneur avait dit dans Isaïe 5 le verset 5. Alobi le fait que Israël a désobéi à la parole. Le fait que Israël a désobéi à la parole. Natangi verset 5 encore. Je lis en Isaïe 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie. Pour qu'elle soit broutée. Donc, le Seigneur va enlever la clôture qui protégeait cette vigne. Or, c'est Israël. Or, cette vigne-là, c'est Israël. Clôture, ils ont protégé en haut. C'est la gloire de Dieu dans le temple. Et la clôture qui protégeait cette vigne qui est Israël, c'était la gloire qui était dans le temple. Yango komona en Ézéchiel 10. C'est pourquoi tu vas remarquer dans Ézéchiel 10. Batal ici, ba chérubin. On nous a montré des chérubins là-bas. Les quatre êtres vivants. Babikela mou mine inabomo. Parce que psaume 99, verset 1er, lobby. Parce que psaume 99, le verset 1er dit ceci. Psaume 99, verset 1er. Psaume 99, le verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel règne. Yahweh azali nako dondo atoko konza. Les peuples tremblent. Bikolo ezali kolenga. Il est assis sur les chérubins. Afandi likolo ya bankelube. La terre chancelle. Pe mabele zo ningana. Donc Zambé ezalaka nde ba kelube nde ba tambola kana ye. Donc le Seigneur est porté par le chérubin. Et Dieu bénisse. Amen. Ma chérubin, on a bango ne ba quatre êtres vivants. Et ce sont ces chérubins qui sont les quatre êtres vivants. Bango ceux qui ba lui bazo tambola bazo me manzambe mobimba. Donc ce sont les chérubins qui portent les seigneurs ou la gloire de l'Éternel. Lokola nzambe atiaki elembo na ye na kata Israël na l'ère à Salomon. Comme le Seigneur avait mis ou établi son signe en Israël du temps de Salomon. Dans Salomon tomba qui temple. Lorsque Salomon avait bâti le temple. Et la Bible les a déclaré que jour il y a dédicace à temple. Et la Bible dit que le jour de la dédicace. Kembo na Yahweh tonda ki nanda kwanza. La gloire de Dieu avait rempli la maison de l'Éternel. C'est dans 1 Chronique 5. Dans 1 Chronique chapitre 5. Dans 2 Chroniques 5 plutôt. Dans 2 Chroniques 5. Tonda ki dans la maison du Seigneur. La gloire avait rempli la maison du voilà Seigneur. Voilà, verset 12 à 13. Là, si tu prends le verset 12 et 13. De 2 Chroniques 5. De 2 Chroniques 5. Gloire du Seigneur. Toute cette gloire. La maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est ça la haie où ils allaient pour protéger la vigne appelée Israël. Ne l'opango tomo là où ils allaient qui combattent la nzete à vigne Israël. Aussi longtemps yango ils allaient. Aussi longtemps qu'il y avait cette clôture. Bako qui jamais kolonga Israël. On ne pourrait jamais vaincre Israël. Mais pour kolonga Israël. Mais pour qu'on puisse vaincre Israël. Zambo ya mataka likola bakelube. Les seigneurs qui montent sur les chérubins. Et le faux habit. Dans la maison à Kende doit sortir de la maison et partir. C'est ça Ézéchiel 10. Et c'est ça Ézéchiel chapitre 10. Va présenter des zambé à Mati Nicolas à Bachirbin. On a présenté comment l'Éternel est monté sur les chérubins. Parce que Moïse déjà est mégé. Parce que le psalmiste l'avait déjà chanté dans psaume. Que Dieu a fendu à Nicolas Bachirbin. Que le Seigneur est assis sur les chérubins. Wana tangwazo matazo kende. Et là, lorsqu'il monte pour partir de la maison. Cela veut dire tiquer la maison comme vide. Cela veut dire qu'il a laissé vide la maison. Et l'ingoloba Nebuchadnezzar na armée na yeba oyako kwesa la maison de Dieu. Cela veut dire que Nebuchadnezzar et son armée viennent à maboko na yo tata. Et c'était la mort de la maison. Là, je prends quelques points. On attend Isaïe 5, verset 5.
Est-ce que je prends Esaïe 5, le verset 5? Et le Seigneur va arracher la clôture ou la haie. Si le Seigneur arrache cette clôture, maintenant le Seigneur enverra les insectes pour brouter. Et ce sont ces insectes que Joël nous parle. Et Joël, quand on l'obéit, mais lorsque Joël, le Seigneur a zobé ngango ma grande armée. Zambé a zobé ngango ma pinga nanga ya monene. Que j'ai envoyé contre vous. Oyo na tinda ki po ba bundisa bino. Parce que après que ba insectes ba kolia. Parce que après que les insectes auront dévoré la ville. Mais maintenant Zamba pour remplacer ce qu'a dévoré les Azir, les Jelek, les Sauterelles, les Gaza. Maintenant, le Seigneur va remplacer tout ce que ces insectes-là ont dévoré. Bon, on a mal. Suivez attentivement. Joël 2 menait le Bible. Joël 2 maintenant dit ceci. Dans Joël 2. Joël chapitre verset 25. Le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Nakozongi se la kabino banvula nyoso oyo mabanki baliaki. Sauterelle. Cette sauterelle. De Babylone. Donc c'est l'empire babylonien. Au moment le lenga présenta qui? Bête de champ. Vous voyez comment est-ce qu'il avait présenté la bête de champ? Dans Daniel 7. Dans Daniel 7. Première bête. La première bête. C'était lion. Isalaki kosi. Yewa na peawa na elobele mususu premier insecte. Et de même, ici, c'est la première insecte. Nous nous faisons bien entendre. Deuxième bête dans Daniel 7. La deuxième bête dans Daniel 7. Ours. L'ours. Deuxième insecte. Et c'est lui, la deuxième insecte. Jelek. Le Jelek. Troisième bête. Et la troisième bête. Dans Daniel 7. Dans Daniel 7. Léopard. Le léopard. Yéwana awa, troisième insecte. C'est lui ici comme la troisième insecte. Azil. Le Azil. Ozora na malam. Amen. Quatrième bête. La quatrième bête. Na Daniel 7. Dans Daniel 7. Ezana verset 7. Donc au verset 7. Azana 10 cornes. Il a 10 cornes. Yéwana Jean de Bélina, Apocalypse 13. C'est de cette bête que Jean a parlé dans Apocalypse 13. Verset 1er et 2e. Le verset 1er et 2e. Qui a 10 cornes. Yéwana Awawa Gazam. C'est lui le Gazam ici. Quatrième insecte. Le quatrième insecte. Parce que Nzamba lobaki. Parce que le Seigneur avait dit. Israël sokabaki parole. Si Israël rejette la parole. Akotinde la ye bête de champ. Le Seigneur enverra contre lui le bête de champ. La bête de champ de moi on a Daniel 7, lion, ours, léopard, la quatrième bête. Et nous avons vu ce bête de champ dans Daniel 7, le lion, l'ours, le léopard et la bête qui est un. Dans le verset 38. Nous prenons le verset 38. Ya. Deutéronome 28. Le Deutéronome 28. A Kotinda aussi des sauterelles. Le Seigneur enverra aussi des sauterelles. Des sauterelles, pourtant, il sait qu'il y a un peu de nation. On a parlé des sauterelles comme des nations. Et tout le monde va présenter quatre sauterelles. Et on a vu où on a présenté quatre sauterelles. Mais il y a encore sauterelles, moi, comme il y a quatre étapes. Mais c'est seulement une seule sauterelle, mais dans quatre étapes. Yango, yao. Et c'est ça ici. Donc, tant que nous avons cette écriture, lorsque nous prenons cette écriture, ma sauterelle va y aller quand? Quand est-ce que viennent les sauterelles? Tant que le peuple est désobéi. Lorsque le peuple désobéit à la parole de Dieu, ma bête des champs va dévorer terre et peuple de Dieu quand? Quand est-ce que les sauterelles ont le pouvoir de dévorer le peuple de Dieu? Ou bien la bête des champs? Ou bien le bête des champs? Tant que le peuple est désobéi. Lorsque le peuple est dans la désobéissance. Maintenant, toyez vers l'église. Maintenant, nous venons vers l'église du Seigneur. Pour l'église. Pour l'église. La foi est là qui est transmise une fois pour toutes. Ma pesa kondima l'église a kaka pour nambala moko. Tu ne peux pas dire qu'à un certain moment la foi avait disparu de après, foi est en 1900. Après la foi est revenue en 1900 que l'église est quoi? Et que l'église était tombée que? Non. Écriture est le l'écriture dit dans Jude la foi est transmise
transmise une fois pour toutes. Qu'on dit mais pesa mela basantu kaka mbalamoko. Yango elobami. C'est pourquoi il est dit. Nama ele oyo bokoti. Dans les pays où vous entrerez. Moi si ako supaze mi ako zala te. Il n'y aura ni femme qui avorte. Moi Nathalie Sakapé, salut. Le fils représente les saluts, l'obiko. Ko supaze mi etali saka aussi spirituellement. L'avortement représente aussi de manière spirituelle que abandonner la parole. Que les gens ont abandonné la vraie parole. L'église a abandonné la parole parce que la foi est puissamment. L'église n'abandonnera pas la parole parce que la foi a été transmise une seule fois pour tout. Mais secte, les insectes peuvent brouter. Si la haie est à ôter. Ce qui le pango est batté, la quantité est longue. D'autres doctrines ont mal enseigné cette écriture. Batalisa que Iglesia et Kweyaki na 325 l'ère à conférence de Nicée. Ils ont montré que l'église était tombée en 325 lors de la conférence de Nicée. Nous ne prêchons pas comme ça. Et les apôtres non plus n'ont prêché comme ça. Balobi, ils ont dit si vous voyez les gens nous abandonner dans ces vrais évangiles que nous avons, c'est à dire qu'ils n'étaient pas de nôtre. C'est ça un Jean 2. Il y a un Jean 2. Jean n'a pas prêché que l'église est divisée. Non. Donc les frères que vous voyez, que vous avez vu nous abandonner, laissant cette parole que nous avons, ils n'étaient pas de nôtre en réalité. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de nôtre. C'est comme ça l'apôtre Paul a dit la parole. Et Zali Bongonde, Tomate a dit. Pour la Kotani, ça que l'église est Kokwea Kate. Pour montrer que l'église ne tombera jamais. Tina Souka ya marche là. Jusqu'à la fin de sa marche. Yango Tozoaka, Apocalypse 12. C'est pourquoi nous prenons Apocalypse 12. Ils ont présenté l'église dans la forme de grossesse, dans le travail. Et Apocalypse 12 présente l'église dans le symbole d'une femme enceinte souffrant des douleurs de l'enfantement. Satan, le diable, Azoya pour Aluka dévorer l'enfant. Et Satan, le diable, en face de lui pour chercher à dévorer l'enfant. Mais tous les hommes ont un qui peut dévorer l'enfant. Mais nous voyons les dragons, Satan n'était pas parvenu à dévorer l'enfant. Cela veut dire que l'église ne sera pas séduite. Et l'ingikolobaye d'église est coupé, oui, ça m'a caté. Oyo nazoye bisayo. Ce que je t'ai dit, bien. Yangonde kosungayo au défendre cette vérité. C'est ce qui va t'aider à défendre cette vérité de la parole. Et ce qui m'outate yo non, église est koyaki. Si on te prêche que l'église était tombée dans le temps. Maintenant, moutei na bango américain. Maintenant, leur prophète américain de qui? Aye, au rétablir sous l'église. Qui est venu maintenant restaurer l'église ou relever l'église tombée? Et Misaël était à Waneza sacrilège. Réponds-lui que cet enseignement-là est une abomination. L'église est koyakate. L'église ne tombera jamais. Le Seigneur a dit que les fondements, les solides fondements de Dieu subsistent. Dans 2 Timothée 2, verset 19. Dans 2 Timothée 2, le verset 19. Donc le solide fondement de Dieu subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Dieu connaît ce qui lui appartient. Et celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Et Dieu bénisse. Amen. Les solides fondements de Dieu subsistent. Suivez attentivement. Donc, nous avons un témoignage. Nous prenons d'abord le témoignage. Et bien, insectes, oui, oui. Donc, ces insectes. Il y a Joël. De Joël. Bazoya Kolia arbre pour Esaïe 5, verset 5. Viennent dévorer l'arbre parce que Esaïe 5, le verset 5. Zambé a l'obolé le pango et Zalaï combattre l'arbre appelé Israël. Le Seigneur avait enlevé la clôture ou la haie qui protégeait l'arbre qui est Israël. Clôture en go et Zandé
la maison de Dieu et la gloire qui dans la maison de Dieu dans Salomon. Et cette gloire, c'était la gloire de Dieu qui était descendue dans la maison du temple du roi Salomon. L'église aussi a sa arme. Et l'église aussi est un arbre. Selon Romains 11. Selon Romains chapitre 11. Partie Esa Olivier Franc. Il y a une partie des branches d'Olivier Franc. Ba branche Moussous. Et où on a coupé d'entre eux. Israël incrédule. Israël qui n'avait pas cru. Biso Olivier Sauvage. On nous a pris, nous, l'Olivier. Ba Ante Biso dans la même promesse. Et on nous a greffé dans la même promesse. Il y a monde à l'église. Et c'est ce qui forme l'église. L'arbre d'Olivier. Donc, l'arbre qui est l'Olivier. Mais Biso, sentir la sécurité et Colomboa Kate. Mais pour nous, la sécurité de sécurité ne sera jamais enlevé. Parce que Jésus lui je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des siècles. Un peu de temps vous ne me verrez plus. Un peu de temps vous me verrez car je serai en vous. Pour Israël, pour Israël, on avait enlevé la clôture qui les protégeait. C'est pourquoi les insectes étaient venus les brouter. Mais pour l'église, le pan protection Esaïe Moko Yahweh. Donc la protection, la clôture qui est lui-même le Seigneur. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Moi je lui ensemble à Salaka Singa Singa Bayo Babanga Kaka. Et les arrache du danger. Il est présent. Asaliwana. Et Dieu bénisse. Amen. Maintenant, Awawa. Maintenant, ici, bien il faut comprendre, boy. Il faut comprendre ceci. Tous les quatre insectes, boy. Bah, Nyamanyo sur Mikio et Minei. Ils ont ma puissante nation. Sont des puissantes nations. Quatrième insecte, ils ont nation. Les quatrième insectes, c'est quelle nation? Un frère. Les frères. Quatrième insecte, ils ont nation. C'est. Hein? Rome. C'est l'Empire romain. Hein? On a dit malin. Suivez attentivement. Mais dans l'évolution, les États-Unis aussi sortiront de ces quatrième animal. Dans ces quatrième insectes. Mais d'abord, c'est Rome. Mais d'abord, c'est l'Empire romain. Vous allez dans malin? Amen. Parce que après Babylone. Parce que après Babylone, ce qui avait suivi, c'était l'Empire Médo-Perse. Après Médo-Perse, c'était l'Empire grec. Après Grèce, Rome. Ce qui était venu, c'était l'Empire romain. Quand Jésus aya, le temps de la venue du Christ, Rome les a dirigé la terre. C'était l'Empire romain qui dominait toute la terre. Quatrième insecte. Qui est comme le quatrième insecte. Quatrième bête. La quatrième bête. Pendant le temps où Rome dominait la terre, le Seigneur est à Israël. Le Seigneur regarde Israël. Oyazali arbre. Qui est l'arbre? Atali Israël. Il regarde Israël. Ayepo abukabuma. Il vient pour cueillir le fruit dans l'arbre qui est Israël. Zoranamala. Suivons attentivement. Ayepo abukabuma. Il vient pour cueillir l'arbre. Il y a verset 50 à 53. Lis à partir du verset 50 jusqu'à 53. Surtout les versets 52 à 53. Surtout les versets 52 et 53. Donc, dans le cas de Timothée, lorsqu'il a rendu l'âme, les sépulcres s'ouvrirent. Dans le cas quoi? Lorsqu'il fut ressuscité, et les saints étaient sortis des tombeaux où ils étaient. Et ça avait toujours dans l'air, il y a. Quatrième empire. C'était toujours du temps du règne du quatrième empire. Donc, Mabélé, la terre, Ezaïna Mbokoya, quatrième et bête. Entre le maître et la quatrième bête. Mais Nangambo, Yamoussala Yakolo. Maintenant, du côté de l'œuvre du Seigneur, a séguissé, ben. Il a ressuscité des gens. Amen. Et il les a amenés au trône là-bas au ciel. Faisons bien entendre. Est-ce aussi malin? Amen. Si Jésus en était enlevé, si Jésus était enlevé, Rome n'a pas dirigé la terre. Et après son départ, c'était toujours Rome qui dominait la terre. Quatrième insecte. Yenda saline ya mamuke ya minei. Vous aussi, madame Alain. Vous me saisissez. Et Ephésiens 2 le dit. Et Ephésiens 2 nous dit ceci. Tout en guillemot. Nous le lisons.
Lecture est très importante. La lecture est très importante, bien-aimé. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset 6e. Le verset 6. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, tant que toi, lorsque Jésus fut enlevé, akenda na yonanga, il était allé avec toi et moi. Oza awa, mais oza pekuna. Tu es ici, mais tu es aussi là-bas. Tu suis attentivement. Connais-toi, Maoyo. Donc, cet enlèvement. Au total, c'est comme première présentation dans l'année. Oh, nous parlons de la première présentation dans l'année. Et Salemi Nangambo Yamabele Mobimba, 4e insecte, a dirigé la terre. Donc, cela s'est passé pendant que le 4e insecte gouvernait ou dirigeait la terre. Et Salemi Tango, 4e bête, a dirigé la terre.